Voilà votre pizza, monsieur. Salut tout le monde, je m'appelle Sailors. Yeah! C'est même pas un globe terrestre. Alors, bienvenue dans cette petite vidéo unboxing. Ça faisait très longtemps. Et Poche et Fils, mes amis, entreprise québécoise, fabricant de vêtements vraiment très cool, m'a envoyé cette petite boîte. Et je suis toujours extrêmement heureux quand ils m'envoient de leurs produits, parce que j'en parlais justement hier à mes parents. Je suis allé chercher quelques trucs. Et j'aime beaucoup cette entreprise parce qu'elles prennent le temps de s'adresser à chacun des YouTubeurs à qui ils envoient de leurs produits, mais de manière, comment je pourrais dire, totalement personnalisée. Je veux dire, ils prennent le temps d'écrire un mot et j'ai pratiquement plus hâte de lire le mot que de voir le contenu. Ça vous donne une idée, parce qu'ils sont toujours très cool, très gentils et personnalisés, comme j'ai dit, selon le YouTuber. Donc, ils prennent le temps de regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est pas juste, tiens, envoie des trucs comme ça, là, lui, là, il fait des vues et tout, là. Ils prennent le temps, en plus, de dire, OK, on va aller voir ce qu'il fait. Et par la suite, on va lui écrire un message par rapport à l'actualité de sa chaîne et ce qu'il a fait et tout. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très cool. Par exemple, j'ai vu que What the Fuck Kev, beaucoup plus trash, eh ben, ils lui ont écrit un mot beaucoup plus trash aussi. Donc vraiment, ils s'adaptent et ils ne sont pas gênés de parler comme on parle entre amis et tout, au lieu d'utiliser des espèces de mots là, super fancy pour vraiment faire « Oh, nous sommes une entreprise professionnelle ». Ça, ça démontre du professionnalisme, même encore plus parce que c'est personnalisé et j'apprécie beaucoup. Alors, c'est parti, on ouvre ça. OK. Oh, top secret! Fais-moi un zoom là-dessus! Fais-moi un zoom là-dessus! Surtout que c'est moi qui fais le montage. Alors, le fameux mot qui est juste ici, attention! Salut Steelers! Et en plus, ils font ça sur un petit carton et tout, là. C'est pas juste une feuille de papier, you know? Alors, ça nous fait super plaisir de te faire parvenir, en grande primeur, nos tout nouveaux produits, les tucs Poche et Fils. On a par contre un enjeu. Comme il s'agit clairement des plus belles tucs de la saison et qu'on n'en aura pas assez pour tous les Québécois qui auront froid cet hiver, on compte sur ta discrétion. D'ailleurs, on a déjà fait poser des caméras dans ta maison afin de s'assurer que tu ne dises surtout pas à ta communauté que les tucs Poche et Fils sont maintenant disponibles sur notre site web. C'est vraiment, vraiment un secret ou pas. On espère qu'elles seront te garder au chaud durant tout l'hiver, l'équipe de Poche et Fils. Alors, je croyais que ça allait être un peu plus personnalisé, Poche et Fils, parce que, excusez, mais j'ai vu la story avec Simon, et ça ressemblait beaucoup à ça. Hein? Donc, on déchire ça. Nous avons ici deux tucs, deux bonnets. J'ai pas ma télécommande pour faire un zoom, mais regardez ça. Attends, c'est quoi? Un joueur d'hockey, Poche et Fils, et... Ah! Oh, celle-là, c'est ma préférée! C'est exactement le logo qu'on retrouve sur les cannes de sirop d'érable. Personnellement, je ne suis pas un admirateur d'hockey, hein? Mais par contre, le sirop d'érable, limite, j'en bois pour vivre! Alors, regardez ça! Regardez-moi! Cette tuque, ce bonnet! Ah, regardez. La canne de sirop d'érable. Si c'est pas québécois, ça peut pas être plus québécois que ça. C'est incroyable. Attention! Ha! Regardez ça. Et ça, c'est l'autre tuque avec, voilà, un joueur de hockey, un joueur de Canadien. Ça aussi, on va se dire, ça reste quand même très québécois, même si je ne l'y suis pas. Alors, un grand merci du fond du cœur pour votre générosité, Poche et Fils. J'espère encore recevoir souvent de vos produits. Et je dis ça comme ça, mais j'organise très bientôt d'autres courses de billes, parce que ça a bien fonctionné sur ma chaîne, et moi, je trouve ça fucking nice. Je suis même sur d'autres projets, et ça pourrait être cool, éventuellement, de faire...
un petit partenariat comme ça où le gagnant, par exemple, la première, deuxième et troisième place peuvent recevoir un prix poche et fils, tu sais, je dis ça comme ça, ça pourrait être très intéressant. Alors, je crois qu'honnêtement, ces fameuses petites courses vont peut-être aller loin et que ça va vraiment plaire aux gens. Ils ont empoisonné les tucs. Poche et fils ont empoisonné les tucs.